Ouais. Eh, viens, on fait un album de punk. Bonjour. T'énerve pas, tu tapes dans le rouge. Même moi, je sais pas trop comment la faire. Parfois, que je réécoute l'original. Oui, elle est de moi, mais je me rappelle plus comment je l'avais fait. C'est le problème quand tu composes à l'ordinateur. Des fois, j'ai composé une instru et après je galère et je fais oh putain, les accords ils sont trop pas pratiques à la guitare. Mais en général, je fais quand même la fa do sol. C'est une chanson avec que des accords diminués. C'est une chanson sur la schizophrénie. Ben, en fait, la tierce, elle est mineure. La quinte, c'est une quarte. Et la septième, c'est une sixième. C'est l'accord manouche. Je suis trafic comme un autiste, perdu dans mes rêves. Trop nombreux dans ma tête, comme un schizophrène sous en fait.
passer à l'intérieur. C'est là qu'il a commencé à s'inventer des amis pour ne pas devenir taré ou bien mourir d'ennui. Ou bien mourir d'ennui. Tu m'as mis comme un autiste caché dans mes rêves d'artiste. On est trop nombreux dans la tête comme un schizophrène sous en fait. Certains disent que je suis fou, pour être franc je m'en fous. Même tout seul dans mes tripes, je suis déjà toute une équipe. Je n'ai pas peur de l'ennui ou de la page blanche. Dans ma tête j'ai plein d'amis, il y en a toujours un qui planche sur un futur projet, une prochaine aventure. En vélo ou à pied, en camion ou en voiture, si on ne sait pas là où on va, mais le trajet que l'on fait, je ne m'en prends qu'à moi. Quand un truc a foiré, bien dans mes baskets, je suis avec mes tripes. Je vous présente mon équipe, y'a d'abord un utopiste qu'on est devenu bouddhiste, et puis un libertaire, communiste et anarchiste, un prestru musicien qui se prend pour un artiste, et puis y'a l'inventeur et son côté autiste, un drôle de cuisinier fou, tendance anti-carliste qui n'a jamais compris qu'on puisse être spécifique. Et puis voilà le manuel, accro au bricolage, celui avec la pelle s'occupe du jardinage. Je suis pas vraiment certain de les avoir cités tous, j'en soupçonne même certains de faire des pauses en douce, j'en soupçonne même certains de faire des pauses en douce, j'en soupçonne même certains de cela. Je suis ma vie comme un autiste, je suis ma vie comme un autiste. Trois, quatre, je suis ma vie. Un, deux, trois, quatre, je suis ma vie comme un autiste. Perdu dans mes rêves d'artiste, on est trop nombreux dans ma tête. Quand ce qu'ils ont fait sous en fait, certains disent que je suis fou pour être fondé. Même tout seul dans mes tripes, je suis déjà toute une équipe. Même tout seul dans mes tripes, je suis déjà toute une équipe. Ça, c'était de la fin. Un vrai craquage rattrapage. Non, mais comme ça, ça fait un vrai album de schizophrène, parce qu'on dirait que je me parle à moi-même, tu vois, vu qu'on n'entendra pas ta voix. Tu me réponds dans les blancs. C'est dans les blancs que ça aura l'air schizophrénique, tu vois. Genre là, le passage, tu vois, où je suis en train de parler là maintenant, t'écoutes l'album, c'est bizarre, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Fou. C'est la voix dans ma tête, on l'entend, mais très très loin peut-être. C'est même pas sûr. Moi, je ferais bien un tour de soucoupe volante. Mais du coup, il faut que je te donne des indications. Parce que les couplets, c'est énervé et le refrain, c'est tranquille. Non, les refrains, c'est énervé et les couplets, c'est tranquille. C'est parti, on décolle. On partira dans une soucoupe volante. À nos enfants, on dira la planète était devenue méchante. Dans la tête
construire un vaisseau spatial et de chercher une planète qui ne nous voudrait pas de mal. Le jour où on partira dans une soucoupe volante à nos enfants, on dira la planète était de. Le jour où on partira dans une soucoupe volante, le jour où on partira. Le jour où on partira dans une soucoupe volante. Alors on s'est mis au travail, cumulant les ressources, courage dans la bataille, jusqu'à vider la dernière. Un jour il n'y a plus rien eu, on n'était plus très nombreux non plus. C'est là qu'on a décidé de faire décoller la fusée. Mais voyez ce qu'il se passe. Mais voyez ce qu'il se passe. La situation nous dépasse. On est perdu dans l'espace. Qu'auriez-vous fait à notre place? On est perdu dans l'espace. Qu'auriez-vous fait à notre place? Album version courte, je fais une chanson sur quatre à peu près. Ah, c'est pas con. Je fais des chansons à moitié. C'est vrai qu'il y en a qui sont longues, je pourrais ne pas les faire en entier. Ouais, celle sur les armes, on la fera, mais pas en entier, t'as raison. On fera juste le couplet court. Ceux qui ont envie d'en entendre plus long, ils diront écoutez les versions plus longues, il y en a déjà plein, tu vois. Ouais, c'est pas con. Comme ça, on pourra faire plus de refrains, parce que le refrain, je l'aime bien. Mais comme elle est déjà longue, je peux jamais faire trop de refrains. Non, et puis si je parle longtemps entre chaque chanson comme ça, si je mets beaucoup de chansons et que j'ai fait tout en entier, ça va faire un album... Non, non, la chanson est plus courte quand même. Ah ouais, celle-là, du coup, je vais faire que le deuxième couplet, tiens. Je me demande comment on peut la faire en punk celle-ci. Génération sur le sort quand on sort, te reprends la vie à bras le corps, peut on décider de son sort. On tombe et se relève encore. On tombe et se relève encore. Génération sur le sort quand on sort, te reprends la vie à bras le corps, peut on décider de son sort. On tombe et se relève encore. On tombe et se relève encore. Génération sur le sort. Tous les jours on se lève, le travail ne nous fait pas peur, y'a pas d'intérêt mais en grève. On court après le bonheur, il paraît que la vie est brève. Cultivons la bonne humeur sur le chemin de nos rêves. Cicatrices et points de suture, tendinite et combature. Pompée, traction, réflexion et méditation. Si la vie est un combat, c'est un combat contre soi. Un combat contre l'inertie, insistant à rester assis. La vie c'est bien, blanc comme un hypercute à la boxe. Alors on serre les dents comme un drogué, on désintox. On aime bien quand on nous ment, un peu ou un tox. À quoi servirait autrement le silicone et le botox? Génération sur ressort. Génération sur ressort. Génération sur ressort quand on sort. Dehors, prends la vie, après le corps, peut-on décider de son sort.
trop bizarre. Je sais pas, ton break était trop bizarre. De son sort, on tombe et se relève encore, on tombe et se relève encore, génération se ressort quand on sort, dehors prend la vie à bras le corps, peut-on décider de son sort, on tombe et se relève encore, 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 on tombe. On dirait qu'il y a une réverb de ouf sur un truc. C'est ma guitare qui fait des trucs comme ça. Ouais, c'est ma guitare. Si, c'est la disto de la guitare. J'ai eu l'impression que c'était trop bizarre, soit tu ralentissais de ouf ou tu t'es mis à l'envers sur moi, mais c'était très bizarre. C'est très bizarre quand j'étais juste là. C'est pour ça après je suis reparti sur le truc.
et j'ai eu l'impression de repartir sur mon contretemps. Non, on fait la suite. Il n'y a pas de replay. On s'en bat les couilles. C'est un album de punk. Un punk qui s'en bat les couilles. D'ailleurs, je vais boire de la bière. Non, on n'a pas le droit de faire l'heure de la bière. Il y a un copyright. On peut pas reprendre des morceaux du groupe Madafuckaz. C'est un groupe inconnu. Et après, si on devient célèbre avec ça, on n'aura même pas d'argent et on n'aura que des problèmes. Or non, hors de question. En plus, je les connais, les mecs, c'est des voyous. C'est le moment EMR, c'est ça? Tu sais, c'est genre, t'as des bruits comme ça, avec quelqu'un qui parle avec une voix lente et molle pour t'endormir, tu vois. C'est pour les préparer psychologiquement au morceau d'avant. On sème ce que l'on récolte. Du coup je n'ai pas de colt. À l'endroit comme à l'envers, c'est dangereux, hein, les mauvais. Et pas besoin d'une mitraillette ou d'avoir un lance-roquette. J'aime pas les AK-47. Ça fait des trous dans les têtes. Et je ne vois pas dans quel cas j'aurais besoin d'un bazooka. Je n'ai pas non plus de fusil, oh, caché sous mon lit. Et pourquoi faire un Uzi? Est un délit, pas besoin d'un magnum pour me sentir un homme. Même les Kalachnikov, ah bah c'est de saison, tiens. Même les Kalachnikov, je trouve ça plutôt bof. Pas envie de vendre mon âme pour jouer du lance-flamme. Facile de creuser des tombes à grands coups de bombe. Et si un jour je porte un flingue, c'est que je suis devenu dingue. Qu'on m'enferme sur le champ avant que je tue des gens. Et si un jour je porte un flingue, c'est que je suis devenu dingue. Qu'on m'enferme sur le champ avant que je tue des gens. Marre des armes, y'en a marre des armes. Marre des armes, y'en a marre des armes. Dans le port de Saint-Nazaire. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Et leurs sous-marins nucléaires. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Qui ne servent qu'à faire la guerre. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Et de tuer son petit frère. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Marre des armes, y'en a marre des armes. Qui mettent le feu à la terre. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Surtout celles des militaires. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Mérite-t-il un ministère. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Surtout si elles sont nucléaires. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Qui ne servent qu'à faire des drames. Et marre des armes, y'en a marre des armes. Qui font couler sang et larmes. Et... Ah ouais. Putain, et t'as fait la bonne fin. Je pense qu'il y a un coup de cymbale en trop ou de pichet en trop, mais... Celle d'après, elle est super bien. Ouais, celle d'avant, elles étaient un peu moins bien. Enfin, celle d'avant, elle était bien, mais comme c'était la version courte, elle est moins bien que la version longue. Du coup, si t'as écouté cet album spécial jusqu'ici, tu peux aller écouter la version longue. Non, mais je te parle pas à toi, je parle au public. Tu le vois pas parce qu'il est dans le futur. Y'a quelqu'un là-dedans? Ces bâtards, ils veulent jamais répondre quand je les appelle.
sera la balade. Ceux qui sont en exil, pour que leur douleur s'abrège, ils sont bienvenus dans ma ville. Ayons le sens de l'accueil, reprenons le pouvoir de la naissance au cercueil. À nous de cultiver l'espoir, il faut planter les bonnes graines, s'en occuper avec amour pour ne pas sombrer dans la haine. Il vaut mieux avoir de l'humour. Le monde est à nous, nous en sommes responsables. Montrons à ces voyous de quoi nous sommes capables. Le monde est à nous, nous en sommes responsables. Montrons à ces voyous de quoi nous sommes capables. Quand parfois sans faire exprès, je tombe sur un journal, je suis obligé de prier pour arrêter d'avoir mal. Le monde a l'air déformé, enfermé dans mon bocal. C'est sûrement pour ça que je suis radical. Mes amis me disent que je deviens extrémiste. Il y a tant de choses qui me choquent que je ne peux en faire la liste. La misère intellectuelle des médias m'attriste. Heureusement que je suis utopiste. C'est la vie qui nous rassemble. Si on éteignait nos télés, qu'on sortait dans la rue, y'aurait plus d'étrangers, de voisins inconnus. Si on éteignait nos télés, qu'on sortait dans la rue. Quand parfois sans faire exprès, je tombe sur un journal, je suis obligé de prier pour arrêter d'avoir mal. Le monde a l'air déformé, enfermé dans mon bocal. C'est sûrement pour ça que je suis radical. Mes amis me disent que je deviens extrémiste. Il y a tant de choses qui me choquent que je ne peux en faire la liste. La misère intellectuelle des médias m'attriste. Heureusement que je suis utopiste. Le monde est à nous, nous en sommes responsables. Montrons à ces voyous de quoi nous sommes capables. On fait une pause maintenant. On fait une pause après les tétards. J'ai envie de pisser, j'ai envie de boire. Attends, non, c'est pas cher.
à mon ami Iphone. Vas-y, fais le groove parce que je peux pas jouer en même temps que je dis son nom parce que son nom il est trop long. Spécial dédicace à mon ami Hippo des Gnomes, les bas, dit Modeste, dit Momo le Prodi. La situation l'exige. Faut que je vous raconte l'histoire d'un moment de prodige. C'est mon petit frère noir, bien sûr qu'il aime son pays. Comme tout le reste de la planète, savoir pourquoi il en est parti, c'est pas la question. En fait, comme il n'avait pas de passeport, il a choisi un port. Parce que même s'il aime le sport, y'a la douane à l'aéroport. Y'a la douane à l'aéroport. Ce n'est pas un terroriste, il n'a pas besoin d'alibi. Et ce n'est pas un touriste qu'il a pris le bateau en Libye. Normal qu'ils aient de la rancune, qu'ils viennent chez nous chercher fortune. Arrêtons de nous mentir, nous avons fait semblant de partir. Certains disent que l'Afrique, c'est l'avenir de la France. Dites-moi qui fabrique les sans-papiers qui tentent leur chance. Si t'as pas le bon visa, faut te tailler pisse à pisse à. Si t'as pas le bon visa, faut te tailler pisse à pisse à. Tu seras le bienvenu chez moi, puisque nos rois font chez toi. Ouais, t'es le bienvenu chez moi, puisque nos rois font chez toi. J'ai beau porter les costards, toutes leurs histoires y'en a marre. Nous ne sommes que des têtards, vivons tous dans la même art. On était quoi? On était quoi au départ? On était quoi au départ? On était tous des têtards. On était quoi au départ? On était tous des têtards. On vivait tous dans la même art. On était quoi au départ? Je n'ai jamais compris. Oh, jamais compris. Je n'ai jamais compris le concept des frontières. Je n'ai jamais compris comment on partage la terre. Tout petit m'a appris qu'on était tous frères, mais quand j'ai grandi, ça ne m'a pas paru si clair. Ça ne m'a pas paru si clair. J'ai appris que la vie est un grand mystère. Ça profite à qui cette violence et ces guerres? Heureusement que je prie pour le bonheur de mes frères, sinon peut-être que moi aussi j'aurais des envies. Leur prière, c'est pourtant bien le même sang qui coule dans nos veines. Qui peut avoir le temps de répandre la haine? On a tous une culture, on est tous différents. Qui connaît le futur? Et on était quoi avant? Ouais, on était quoi avant? On était quoi au départ? On était tous. Je prenais un accent américain. Ah, africain. Ah merde, je voulais faire américain. Merde. Non, parce qu'africain, c'est pas vendeur. Non, américain, ça vend, tu vois.
Quoi qu'en musique, les noirs, ça vend aussi. Enfin, ouais, c'est pas facile de... De toute façon, hein, qui c'est qui a inventé le rock'n'roll, hein? Sort de chez nous, y'a quelqu'un qui nous surveille caché derrière. Ah, c'est pas qu'on sort de chez nous, c'est qu'on sort de chez soi. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas une rime en ou, c'est une rime en a. Ouais, ouah, ah, ça passe. Quand la nuit on n'a pas sommeil, qu'on sort de chez soi, pas de chez nous. Ça veut dire la même chose, mais ça rime pas sinon. Quand la nuit on n'a pas sommeil et qu'on sort de chez soi, y a-t-il quelqu'un qui nous surveille caché derrière ses caméras? Sont-elles parfois en veille? A-t-on besoin de ça? Nos mobiles ont des oreilles et parfois des caméras. S'ils nous surveillaient avec tant de précision, ça ferait des allées que les prisons seraient débordées au bord de l'explosion. Si on sait sur qui prendrait d'autres décisions, si on est sous la surveillance de Big Brother, a-t-on vraiment une chance? Et cette intelligence qu'on appelle artificielle a-t-elle une conscience? Est-elle virtuelle ou réelle? Y'a quelqu'un qui m'a dit que nos téléphones nous espionnent, mais a priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes. Ce qu'il raconte à la télé, ouais. Certains prétendent que tout est de pire en pire. Le bonheur qu'ils vendent n'est pas ce à quoi on aspire. Toujours un truc à apprendre pour le défi à venir. Ouais, je connais pas bien le deuxième couplet, je vais pas le faire, c'est chiant. Y'a quelqu'un qui m'a dit que nos téléphones nous espionnent, mais a priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes vu ce qu'ils racontent à la télé. Eh ouais. Eh ouais, y'a des doutes, hein. Ouais. Heureusement qu'on t'entend peut-être pas. Bon.
je serais dictateur du monde, j'interdirais d'interdire, à part deux, trois trucs qui montent dans ces foutues frontières. Partez sur ma map, si on arrête de se laisser faire, gardez en assez pour tout le monde. Pour moi, mais je me présente même pas. De toute façon, ça changerait quoi? Juste le roi du bla 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 bla. Votez pour moi, bla bla, votez pour moi. Je crois plus aux élections. Pourquoi me donner de la peine? Je rêve de révolution, à condition qu'elle soit. Faire comme des cons. On les laisse se promener en yacht. On s'en va avec eux.
pas mort, je monterai une armée pour prendre le pouvoir avec l'amour comme épée et la paix comme étendard. Comme épée et la paix comme étendard, histoire de faire empiéter à cette bande de babysards. Ça leur ferait les pieds et tousser dans leurs cigares. Fini les prostituées, le pinard et le caviar. Si le peuple est énervé, c'est qu'il a perdu l'espoir. Il se sent manipulé, a du mal à tout croire. Est-ce que vraiment tout est vrai dans leur livre d'histoire? Est-ce que vraiment tout est vrai dans leur livre d'histoire? Je ne dois me réincarner, je veux être une femme noire. J'ai pour être premier, je serai toujours en campagne. Pour atteindre le sommet, il faut gravir la montagne. Après que t'es en danger, il serait temps qu'on se maille. Envoyer ses privilégiés, faire une visite au van. Extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. J'ai pour être premier, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne, je serai toujours en campagne. Je monterai une armée pour prendre le pouvoir avec l'amour comme épée et la paix comme étendard, histoire de faire un pied de nez à cette bande de bizarre. Ça leur ferait les pieds tousser dans leurs cigares. Ça leur ferait les pieds tousser dans leurs cigares. Fini les prostituées, le pinard et le caviar. Si le peuple est énervé, c'est qu'il a perdu l'espoir. Il se sent manipulé, a du mal à tout croire. Est-ce que vraiment tout est vrai dans leur livre d'histoire? Est-ce que vraiment tout est vrai dans leur niveau d'histoire? Si je dois me réincarner, je serai toujours en campagne. J'ai beau être premier, je serai toujours en campagne. Pour atteindre le sommet, il faut gravir la montagne. La planète est en danger, il serait grand temps qu'on se maille. Voyez ses privilégiés faire une visite au bagne. La planète est en danger, il serait temps qu'on se maille. D'envoyer ses privilégiés faire une visite au bagne. Extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. J'ai beau être premier, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne, je serai toujours en campagne. Ouais. Si je dois me réincarner, j'aimerais bien être une femme noire, juste pour les faire chier. Tu vois. Non, parce que en tant qu'homme blanc, j'ai aucune légitimité pour faire chier des hommes blancs. Tu vois, c'est chiant. Ah ouais, je pourrais faire chier des hommes noirs. Ou des femmes noires. Ah tiens, je pourrais... Ouais, mais non, ça, il y a déjà un mec en peignoir, il a eu des problèmes comme ça. Ah ouais, sans peignoir, peut-être ça passe. Avec un kilt. Avec un kilt, ça passe. Tu peux dire, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé sur une savonnette, j'étais en kilt. L'histoire de l'Irlandais. Non. Ah ouais, pourquoi? Laissez-moi sortir et retrouver mes
grammes de guignol. Sauf qu'ils se prennent au sérieux un chauffeur dans la bagnole et une prostituée dans leur bien. Ils se moquent et rigolent, se croyant les maîtres du jeu. Mais si la foule devient folle, ils finiront au bout d'un pieu. Tu faisais encore des trucs bizarres. C'est en reggae. Il y a un moment où vraiment tu sais. Mais quand c'est en reggae, tu tires en arrière. Ah ouais. Moi, ça fait que ça fait fla, tu vois. Tu tapes après, juste après moi. Du coup, ça me tire de ouf. Ça me donne envie de rager. Du coup, ma basse, elle arrive quasiment quand tu fais ton coup, tu vois. Bah, t'es entre les deux, tu vois. Du coup, ma basse, ça... sur un rock. Tu fais un tempo, je peux pas trouver mon tempo. Ouais, je cherchais les accords, mais je les ai trouvés, je pense. Je pense, mais c'est pas sûr. Il faut que je trouve le rythme. Faut que je trouve une meilleure position pour arriver à voir le texte en même temps. Ah merde, j'ai caché sous la console. Youhou. Je pense que là, ça devrait le faire. Je suis pas trop près du mur. Non, ça va. 3, 4. La vie est un chemin qui mène droit à l'éveil. Il suffit qu'un matin de... Il suffit qu'un matin on décide qu'on se réveille. La vie est un chemin. Ce putain de disque est fini. Ce putain de disque est fini. Mais vous en voulez encore?
veux bien faire un effort, c'est le moment ou jamais de secouer ton corps pour nous montrer une dernière fois comment vous êtes beau et fort. On espère que ça vous a plu, même si t'as pas vu mon cul et qu'on s'est pas mis tout nu. En même temps, t'en sais rien parce que c'est un disque. Ça se trouve, on joue tout nu. Ils peuvent pas savoir, c'est un disque. Ah non, c'est pas un disque. Je suis con parce que les disques, c'est de la merde. C'est fini. C'est de la musique sur internet, je sais pas sous quel format, on s'en bat les couilles. Je vais pas graver un disque pour ça quand même. On va pas user du plastique pour ça. Vaut mieux remplir des serveurs, ça peut servir de chauffage. Qu'est-ce que je raconte, je suis pas en train de faire une chanson moi normalement, merde. Bah, en même temps, c'est la fin du disque et t'es encore. Enfin, c'est la fin du truc et que t'es encore en train d'écouter. Bah, franchement, c'est que t'as que ça à foutre de ta vie, franchement. Ou alors t'es en train de t'endormir et puis là maintenant ça te réveille. Enfin, on en sait rien, on s'en bat les couilles. Bon, on va faire un refrain quand même. La vie est un chemin qui mène droit à l'éveil. Il suffit qu'un matin on décide qu'on se réveille, qu'on se prenne par la main, qu'on dessine comme des soleils, qu'on se prenne par la main, qu'on brille comme des soleils, qu'on se réveille enfin. Que tout se rappelle sans fin, que la vie c'est toujours pareil. Apprendre à ouvrir les yeux, chaque jour faire de son mieux, essayer de vivre vieux et de mourir heureux. C'est sur la quête du bonheur, est un combat intérieur, un combat contre ses peurs pour maîtriser son cœur. On a tous le même sang et le potentiel d'un Bouddha sorti de la terre en bon sang. Nous sommes tous des bodhisattvas sortis de la terre en dansant pour apporter la joie. Sortis de la terre en dansant, nous sommes tous des bouddhas. C'est mon dernier couplet, après je ferme mon clapet. Merci d'avoir tendu l'oreille et de nous filer notre oseille. Et de nous filer votre oseille. Ouais, faudrait que je fasse une cagnotte litchi. J'ai un pote qui a fait ça et il a déjà récolté 100 balles. Ouais, c'est toujours 100 balles. Bon, c'est pour une asso, il fait croire qu'il va faire un festival, alors les gens donnent de l'argent. Mais bon, si ça se trouve, on le fera jamais parce qu'il y aura le Covid-50 ou la nouvelle maladie ou la troisième guerre mondiale, on s'en bat les couilles. Nous, on dira que c'est pour la paix dans le monde. Pour le Koweït. C'est vrai, on parle plus du Koweït. On sait pas si se passe des trucs là-bas. C'est plus à la mode. Bon, de toute façon, Dubaï, ils ont un problème, c'est avec les chiottes. Ils ont oublié l'assainissement. Du coup, il y a des camions de caca, des kilomètres de camions de caca qui sortent de Dubaï tous les jours pour aller vider au loin, là où ils peuvent. Alors, on est dans un monde formidable quand même. Et ils vont faire les JO là-bas. Mais faut pas s'inquiéter, la Russie peut pas participer. Ah non, c'est pas les JO, c'est les championnats du monde de football, c'est ça. Je sais pas, c'est des connards avec un ballon. Moi, j'ai rien contre les gens qui jouent au ballon. Bah, le connard avec une guitare, ouais, c'est moi ça. C'est une chanson qui a pas de fin, c'est un peu comme la vie, tu vois. Ça n'a ni début ni fin. T'as vu comment on l'a commencé, comment tu veux qu'on la finisse? Comment tu veux qu'on finisse ce disque quand tu vois comment il a commencé? On peut pas. Sorti de la terre en dansant. La vie est un chemin qui mène droit à l'éveil. Il suffit qu'un matin on décide qu'on se réveille, qu'on se prenne par la main, qu'on brille comme des soleils, que l'on se sans fin, que la vie c'est toujours pareil. Apprendre à ouvrir les yeux, chaque jour faire de son mieux, essayer de vivre mieux et de mourir heureux. Ouais, de mourir heureux. C'est sur la quête.
sortis de la terre en dansant. Nous sommes tous des bodhisattvas. Nous sommes tous des bodhisattvas. Pour apporter la joie. Putain, il était trop bien ce... Comment on appelle ça? Non, mais album, disque, ce EP de je sais pas combien de titres, je sais pas combien j'ai fait de chansons. Et je mettrai pas combien il y a de chansons. Bah, je le saurai si je mets les titres dans la description de la vidéo. Ou alors je les mets pas, je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles. Puis on laissera un passage comme ça, tu vois, qui dure un moment, tu vois, où il y a de la batterie, un mec qui joue, et je vais faire bleu. Ah non, mais c'est... Non, je peux faire 50 vues, je pense. C'est pas sûr que les gens écoutent en entier, ça, c'est un autre problème. Mais les trois premières minutes, tu vois, c'est possible. Ouais, j'en ai que 350. Abonnez-vous, si vous avez écouté jusqu'ici, abonnez-vous quand même. Parce que franchement, si t'es pas abonné et que t'as écouté jusqu'ici, franchement, c'était... Non, on peut pas te sauver. On peut pas te... Suicide-toi. Non, te suicide pas, après on va dire c'est de ma faute. Enterre-toi dans un trou. Non, 1000 abonnés. Et après, c'est en fonction des vues, ça te rapporte des centimes par vue. Faut des 50 000 vues pour que ça rapporte de l'argent. Ouais, c'est des abonnés uniques. Ouais, ouais, mais 1000, c'est chiant. Ça fait 100. Faut demander à 100 potes. Après, il y en a plein, c'est des Russes parce que je fais des trucs de Mercedes 508, ils s'en battent les couilles. Quelle heure est-il ? Bon, on va arrêter et puis comme ça on a le temps de faire une dernière pause. Parce que la pause c'est la base. We'll be right back.
mais tu vas te taire, oui, les gens ils vont plus en pouvoir au bout d'un moment. De toute façon, plus personne écoute, on s'en fout.